Bonsoir à tous les Breakers, ou bonjour à tous, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour les nouveautés de la semaine sur GTA Online. On va parler du jeudi 7 septembre jusqu'à jeudi prochain 13 septembre. Vous allez tout savoir autour de l'actualité de GTA Online, activités, promotions et bonus, ainsi que les véhicules de la semaine. On est parti. À la course au prix, cette semaine, vous aurez la possibilité de gagner la Vulcar Nebula Turbo. Les trois véhicules en exposition cette semaine au salon de l'auto seront la Overflowed Entity XF, la Weny Dynasty ainsi que la Enus Super Diamond. Ces trois véhicules, vous pourrez les tester sur la piste d'essai juste derrière ou les acheter directement ici. Au salon de l'auto cette semaine, le véhicule HSW sera la Pegassi Weapon Z Inus. Alors je vous ai mis la version normale puisque je n'ai pas réussi à retrouver la Weapon Z cette semaine. En vous rendant au casino et à sa roue, vous aurez la possibilité de gagner la Grotti Stinger GT gratuitement cette semaine. Bonne chance à tous. Cette semaine, chez Simeon, dans sa concession, vous aurez la possibilité d'avoir 5 véhicules. Vous aurez donc la Dinka Kanjo SJ, la Dinka Jester RR, la D-Class Tahoma Coupé, ainsi que la Anis 300R et la Weny Easy Rally que j'ai pas réussi à vous faire spawn. Mais voilà, la Weny Easy Rally sera le cinquième véhicule chez Simeon cette semaine. Chez Luxury Auto cette semaine, vous aurez la possibilité de voir deux véhicules en exposition, la Benefactor SM722 ainsi que la Ocelot Virtue. Legendary, où cette semaine vous aurez en promotion la SM722 de chez Benefactor à moins 30%. Southern, cette semaine vous aurez en promotion la Weny Easy Rally à moins 30%. Deuxième promotion chez Southern, ce sera la Dinka Kanjo SJ qui passera à moins 40%. Donc, chez Warstock, cette semaine profitez d'une promotion sur le Brickade 6x6 qui sera à moins 40%. Cette semaine vous aurez aussi la possibilité d'avoir une réduction sur la mise à niveau et la modification du laboratoire d'acide qui se passera à moins 40%. Toujours chez Warstock, cette semaine profitez aussi d'une promotion à moins 50% sur le Buckingham Valkyrie. Ensuite, rendez-vous sur le site arenawar.tv où cette semaine vous aurez la Dominator en promotion d'origine, elle passera à moins 40% et vous aurez aussi moins 40% sur la version Apocalypse, moins 40% sur la version Anticipation et bien évidemment moins 40% sur la version Cauchemar. Ensuite en promotion vous aurez aussi la Overflowed Entity XF à moins 40% cette semaine et qui sera uniquement disponible et achetable dans le salon de l'auto. En promotion cette semaine et uniquement disponible au salon de l'auto, ce sera la Weny Dynasty qui sera à moins 50% cette semaine. Cette semaine, profitez d'un événement spécial Labo d'Acide où vous aurez la possibilité de faire vos ventes d'acide en double RP et double GTA de l'art. Ensuite, concernant les activités en mode libre, vous aurez les camions blindés qui vous rapporteront le double de GTA de l'art. Pour rappel, les camions blindés sont de retour depuis la sortie du DLC San Andreas Mercenaries, enfin pas exactement au jour J, mais quelques semaines après la sortie du DLC San Andreas Mercenaries, ils ont remis en place les camions blindés, donc cette semaine, en les braquant, vous remporterez le double de dollars. Toujours en double RP, double GTA de l'art cette semaine, les sauts en parachute Junk Energy vous rapporteront le double d'argent et de RP cette semaine. Avec les guerres d'arène qui seront encore une fois cette semaine en double RP et double GTA dollars ainsi qu'en double AP pour tous les joueurs sur GTA Online et en quadruple AP, quadruple RP et quadruple dollars pour tous les joueurs ayant l'abonnement GTA Plus cette semaine. Ensuite, cette semaine, Rockstar signe le retour de 5 activités sur GTA Online. Déjà Motor Wars qui, en plus, cette semaine sera en double GTA dollars et RP. Vous aurez aussi l'activité Overtime Rumble. Il n'y aura pas de bonus. Hasta la Vista, pas de bonus non plus. Vous aurez aussi Siege Mentality, pas de bonus non plus. Et Come Out to Play, pas de bonus non plus. Mais voilà, ça, ce sont les activités qui sont de retour cette semaine avec GTA Online. Voilà les Breakers, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'actualité de la semaine, activités, promotions et bonus. Évidemment, s'il y a des motifs ou items rares à récupérer, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dès demain. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. À lâcher le pouce du soutien, évidemment, c'est très important. Puis à dire en commentaire ce que vous en pensez du format de la vidéo. J'essaie de la faire la plus propre possible. Il y a peut-être des améliorations que je ferai au fur et à mesure du temps, vu que maintenant, ça sera tous les mercredis. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça a été le plus fluide possible pour vous et le plus compréhensible possible. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Toutes les critiques constructives, évidemment, sont admises et seront prises de la bonne manière. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur la chaîne TGS Rockstar Club. Ciao.